Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien, ici Unicornis et aujourd'hui je vous emmène en stage de saut d'obstacle avec Benny. Donc ce stage a eu lieu pendant la première semaine des vacances de printemps et la vidéo ne sort que maintenant parce que je suis toujours à la bourre. Je préchote un peu certains commentaires, oui par moment Benny ouvre la bouche parce que je suis pas assez douce dans mon contact. C'est vrai, c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler, mais il faut aussi comprendre que Benny a un contact vraiment très fin par rapport à Brent et du coup quand je passe de l'un à l'autre, je suis vraiment désolée pour Benny mais je sais plus doser. Oh, j'étais en train de filmer. Bon, comme vous pouvez voir, il a un petit peu fait le couillon à un moment, de la détente au galop, je sais pas pourquoi. Je suppose parce qu'on était très nombreux dans le manège, on était beaucoup trop nombreux sur ce stage, on était 10. Il y a eu un petit problème de gestion, en temps normal on n'est jamais plus de 6 par stage. Mais là on était 10, 10 qui galopent en même temps. Il était un petit peu énervé, puis du coup il y a eu le fantôme dans le coin, et il a voulu tester s'il arriverait pas à me mettre par terre. Et ben malheureusement pour lui, j'avais mangé le sable deux fois la semaine d'avant, et en plus c'était même pas le sable, c'était la terre parce que c'était dans le cross, et j'avais encore mal partout, et je ne voulais vraiment pas tomber. Au niveau de la détente, on va venir sauter deux fois le vertical, puis une fois le auxerre. Donc on arrive sur un cercle, on aborde du coup le vertical et j'arrive mais vraiment comme une mamie parce que du coup Benny m'a fait un petit peu peur à la détente et du coup je n'ose plus trop le laisser galoper. D'ailleurs à chaque fois que je veux le féliciter d'avoir bien sauté, je vois ses oreilles qui pointent vers l'avant et je sens ses fesses devenir légères. À chaque fois il veut me gerter dès qu'il a sauté. Je sais pas exactement comment expliquer ce comportement mais je suppose qu'il est content d'avoir bien sauté. Et du coup, il a envie de sauter en l'air. Sauf que moi, j'ai pas envie de sauter en l'air. Et ça y est, on va enchaîner le parcours. Donc, on commence par un vertical, un tout petit vertical. Et en fait, Benny, il avait changé de pied, mais j'étais déjà en train de le ralentir pour faire la transition pour changer de pied depuis trop. Ensuite, on fait une courbe pour arriver sur un double. Et je suis en train de vous raconter des salades parce que c'est pas un double puisqu'il y a trois foulées, donc c'est une ligne. Et on enchaîne ligne courbe avec le vertical. Ensuite on fait une courbe, bien évidemment je change de pied, on fait l'auxerre. Et là je vais beaucoup trop doucement, du coup il fait un petit pied et là il se vexe et je suis désolée, je lui tire dessus, je sais. Mais je voulais vraiment pas qu'il pète en l'air, donc j'ai paniqué, ok, j'ai freiné. Ensuite, courbe, on refait le vertical du début, et ça y est, c'est la fin du parcours. On le refait une deuxième fois un tout petit peu plus haut, et surtout avec un peu plus de galop. Donc là, Benny il saute mieux, donc là je suis contente, on est réception sur le bon pied, on fait la courbe sur le bon pied, et j'arrive avec un peu plus de galop dans la ligne. Même un peu trop de galop, du coup, il est obligé de se ratatiner pour que ça rentre. Et j'ai totalement oublié la ligne courbe. Voilà, bon, c'est pas grave. Je remets sur le bon pied et on retourne sur la ligne avec un peu plus de galop. C'était ric-rac, c'était ric-rac. Bon, là, je suis sur le mauvais pied, donc en ralenti pour changer de pied. Et ça y est, on termine du coup avec le vertical à nouveau. Et c'est parti pour un dernier tour. Bon là je le fais un peu trotter parce que ça faisait un moment qu'on faisait du pas. Donc voilà, je le remets un petit peu en route et c'est parti. On est parti, on prend le galop. Allez mamie Laura, on va un peu plus vite quand même. Parce qu'il a besoin d'un peu d'impulsion quand même pour sauter. Je refais exactement la même bêtise que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avance un peu trop dans la ligne, donc le contrat passe pas très bien, et surtout j'oublie encore une fois la ligne courbe. Bon, c'est pas grave. On arrive du coup sur la ligne, et là j'avance mieux, et regardez comment elle a sauté, trop bien. Bon, par contre, je suis sur le mauvais pied. J'essaye de changer de pied en étant en galop, malheureusement ça ne peut pas marcher si je mets l'incurvation dans le mauvais sens. Oui, je m'en rendais pas compte sur l'instant, du coup il est désuni, il repasse au trot avant de sauter pour se réorganiser, très bien, Benny il gère ça très bien tout seul.
Et du coup, pour terminer, je refais une fois la ligne, cette fois-ci avec un contrat qui passe un peu mieux, c'est-à-dire en deux, et on n'oublie pas la ligne courbe derrière. En effet, la coach a modifié la ligne pour que du coup ça passe en deux foulées et pas deux et demi pour que Benny puisse mieux sauter. Et je vais vous laisser avec les images de la GoPro qui se passent à peu près de commentaires puisque j'ai déjà à peu près tout dit avant. Et surtout, bah, je fais des commentaires en même temps que je monte à cheval. Quoi de mieux que des commentaires en direct? Donc voilà. Attends, j'ai oublié le rouge. Bon, tant pis. J'ai encore oublié. Oui. Change de pied. Change de pied. Thank you.
on dirige. Fais pas le couillon derrière. Mais c'est ça, à la fin je me penche pour le caresser et à chaque fois il veut me gerter. Ça va aller ? Oh ! Pourvu que les étriers aillent. Oui. Oh, ça va, je suis à peu près bien. Ok, tu viens faire le 1. Ouais. Ok. Oh, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être à Shetland. En vrai, comme vous voyez, Benny c'est un très bon cheval avec du bon potentiel et qui se monte très bien. Le seul problème c'est qu'il me fait un peu peur et que j'ose pas y aller avec lui. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à de prochaines aventures. Mouah.